Coucou mes choubidous! Alors aujourd'hui je suis allée à. Action! Alors le ticket, je vous montre le ticket, hein. Vous verrez. Voilà, il est grand comme ça. Donc, après on ouvrira le calendrier, celui-là de Barbie, coupé Barbie, et on ouvrira celui-là. D'accord? Ok, alors on y va. Excusez-moi. Voilà, donc ceci, je l'ai acheté à 1,50€. Des petites boules violettes, franchement, trop sympa, j'ai trouvé trop mimi. Voilà. J'ai trouvé du papier à 69 centimes, avec écrit Merry Christmas, Happy Holiday, Wonderland, le monde, voilà. 69 centimes, je trouve que c'est assez sympatoche. J'ai trouvé des petits gobelets à 69 centimes, parce que quand je prends mon médicament, ben, j'aime bien ne pas prendre un gobelet, notamment comme je suis enrhumée, là je prends de l'Exomuc, et du coup, ben, voilà, je prends ça. Et aussi une bonne idée quand vous avez, je sais pas, vous êtes toute seule, vous n'avez pas envie de faire de la mayonnaise, et ben, vous coupez juste là, comme ça, le fond. Et vous mettez la mayonnaise dedans et après vous jetez. C'est les remèdes feignasses. J'ai retrouvé ceci pour ma fille. J'en ai retrouvé un autre. Alors, parce qu'en fait, j'en avais acheté un, je l'ai perdu. Du coup, j'en ai racheté un autre. 89 centimes. Voilà, des petits jouets pour Noël, couleur Noël. J'ai trouvé ceci, 1,20€. Ce sont des petites cuillère pour l'apéritif. Alors on peut mettre ce qu'on veut dedans. Moi je peux mettre une endive avec un petit peu de thon et de mayonnaise, mais j'aime pas trop le thon, mais il y en a qui aiment le thon. On peut faire mettre de l'avocat dedans avec des petites crevettes et une petite pointe de mayonnaise. Voilà, on peut faire plein de choses, hein. On peut mettre des petits morceaux de lardons, du fromage, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, mais c'est bien pratique pour 1,20€, franchement. J'ai racheté des attaches pour mon sapin. Parce que du coup, je vais mettre celle-ci. Du coup, il faut que je mette les petites attaches, comme ceci. Je les ai payées 75 centimes. Je vais vous montrer comment elles sont. Ceci. On va mettre une boule. Voilà, comme ceci. Très pratique. Ensuite, j'ai trouvé ceci. J'ai payé 1€ et des bananes, je crois. Quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Ça, c'est tout simplement... des petits clous, parce que c'est bien pratique pour la maison. J'ai trouvé des petits gâteaux, c'est en vrac. Combien j'ai payé? 89 centimes. Alors, je ne les connais pas, ceux-là. Alors, moi, je suis en plein soleil chez moi. Donc, il fait très froid dehors. Et je suis en plein soleil. Il faut le faire, j'ai le soleil en plein dans les yeux. Donc là, c'est 89 centimes. Du coup, ils sont très, très bons. Du coup, j'en ai pris deux. Et j'en ai pris un comme ça. Et l'autre, j'ai déjà mangé. 89 centimes. Et en fait, ils sont moelleux, mais ils sont super bons. Je vous les recommande à 10 000%. J'ai repris un étui. Je l'ai payé combien? 1,99€. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vaut. On verra. C'est pour le S9. Il n'y avait que blanc. Ah, super. Hein, mais je vais le customiser parce que blanc, comme ça, ça va être vite, ça va vite dégénérer en gris. Ceci, 1,69€, ce sont des crackers. Alors, franchement, je suis persuadée que ça doit être avec des graines de potiron. Je suis persuadée que c'est super bon. Crackers, Popo and Pit et Legion Seed. Moi, je pense que ça veut dire graines de tournesol. J'ai repris mes petites assiettes à 89 centimes. Parce qu'elles sont vraiment super. Je prends pas les assiettes qui sont, franchement, qui tiennent pas. Celles-là, elles tiennent vraiment bien la route. Franchement, je suis très, très contente. Tu dis, je vais essayer. 2,99€. Kit Kat, c'était une marque que je connaissais quand j'avais ma petite puce. Chanel, qui est décédée, paix à son âme. Elle avait 14 ans. Eh bien... On lui donnait ça, hein, du Kit Kat. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. C'est rare de trouver du Kit Kat comme ça. Et je croyais que ça se faisait plus. Natural Vitality, au saumon, cabillaud, colin, poisson blanc. Il y en a 12 dedans pour 2,99€. C'est sûr que moi, je les paye beaucoup plus cher. Hein, c'est des gourmets. Mais Kit Kat, c'est quand même une marque qui était quand même assez bien. Et dans le temps, les chats, ils n'étaient pas malades par rapport avec les croquettes, quoi. Hein.
Dans le temps, c'était pas comme ça, hein. Les chats, ils étaient morts de vieillesse. Ils n'étaient pas morts parce qu'il y avait dans les croquettes, il y avait des conneries, quoi. Donc, je me dis Kit Kat, pourquoi pas. Alors, ceci, c'est de l'eau stérilisée. C'est pour mon frère parce qu'il va bientôt y avoir mon chouchou qui va arriver à l'aine. Et il repasse beaucoup. C'est pas moi qui repasse pour lui, hein. Il repasse. Et du coup, ses affaires. Et du coup, je me dis, bah voilà, ça lui fera de l'eau stérilisée s'il veut mettre de la vapeur. Une petite boîte comme ceci. 1 euro. J'aime pas regarder sur les tickets, ça m'énerve. Ouais, ça doit être un 49, pas plus de toute façon. Ou peut-être moins, je sais pas. Mais en tout cas, elle est bien pratique. Elle saute. C'est une boîte sauteuse. Elle est bien pratique, vous voyez. Parce que maintenant, je fais de la cuisine. Eh ben, je suis bien contente si j'arrive à la fermer déjà. Voilà. Je suis bien contente. Et voilà. De mettre ça dedans et de le mettre après au congélateur et de retrouver mes plats. Ensuite, 89 centimes. Alors, en fait, c'est pour mes cadeaux, mais c'est aussi parce que je vais prendre le rouge et le doré. Et puis ça, je vais le mettre dans mon sapin. Voilà, je vais mettre ça dans mon sapin. Alors, comment vous expliquer? Je vais vous montrer mon sapin vite fait. Voilà, mais on n'en voit qu'un bout. Hein. Alors, c'est un vrai, hein. C'est un vrai, hein. Moi je suis la team vraie. Hein. Avant j'étais la team artificielle. Et puis non, maintenant je suis la team vraie. Du coup j'ai trouvé, je l'ai eu à 32 euros. Il est haut comme ça. Voilà, mais il est parfait pour moi. Parce que tout simplement, je suis tombée devant un meilleur ouvrier de France, fleuriste, à côté de chez moi, dans Paris. Et quand je l'ai vu, il m'a dit, venez de France. Oh, ben, je lui ai dit, ben, je le prends, il est pour moi. Et il m'attendait en fait. Il m'attendait. Et en plus j'ai mis ça. Comme ça, des guirlandes comme ça pour faire un peu plus encore tout fumer, les magnifiques. Hein. J'ai craqué. 2,99 €. Alors il faut savoir que ça, c'est le Bouddha porte-bonheur et qui ramène de l'argent. Je crois que c'est celui-là. Hein. Non, je suis pas sûre en fait parce qu'il n'y a pas la pièce là. Mais voilà, et je le trouve très joli. 2,99 €. Alors ne vous attendez pas à des miracles, il est léger, c'est un peu de la cochonnerie. Mais en fait, il fait son effet. Ensuite, j'ai un problème dans ma cuisine. Il faut que je la fasse, hein, je ne l'ai pas fait encore. J'ai un problème dans ma cuisine, c'est que j'ai des taches. Figurez-vous que j'avais mis du gazon. Mon meilleur ami, qui travaillait à l'époque dans un endroit bien, je vais dire, parce que comme il a pris les trucs, et en fait, il y avait des choses qui restaient, et il a pris du gazon d'une exposition. Mais attention, le gazon de chez Gazon, quoi. Donc j'avais tout mis le gazon dans mon salon, dans ma cuisine. Et en fait, il s'était esquinté, donc j'ai tout enlevé. Mais ça n'a absolument pas esquinté le sol. Après, j'ai été chez Action, j'ai acheté du gazon vert. Hein. Ça m'a foutu mon sol en l'air. Et je ne peux plus enlever le vert. Je ne sais pas comment faire. Donc je me suis dit, astuce, citron vert, sel, ça fait un effet chimique. Et il faut frotter. Et ça fait effet d'abrasif le citron vert. Et je me suis dit, ben, je vais quand même prendre ça parce que ça, c'est des éponges magiques et ça nettoie super bien. Je les ai payés 89 centimes. J'ai craqué. 89 centimes et j'ai craqué. Mais quand vous allez le voir, vous allez dire, c'est normal qu'elle a craqué, c'est lui. Regardez. Il est trop choupi. J'en avais jamais vu des comme ça. Des petits bouts de nez. Petit bout de nez, ouais, mais pas avec le clin d'œil. Est trop mignon, puis féminin, quoi. J'ai trouvé ça trop mignon. Parce que je bois du thé Yokite. Il est ayurvédique. Alors, j'ai pris ceci. C'est un maxi truc, quoi. C'est n'importe quoi. Hein. Ceci, ce sont des petites guirlandes. Il faut que je mette des piles dedans. Que je vais mettre dans mon sapin. Mais comme je n'ai pas envie de bleu, à part si ça fait effet violet, sinon j'enlève le bleu. Moi, je ne me prends pas la tête. Je garde les couleurs que je veux. Donc, on verra. Mais je vais le mettre dans mon sapin. Et je l'ai payé 1,39 €. Je laisse le top pour la fin. Hein. Bon, ça, c'est. Me demandez pas le prix parce que c'est un cadeau. Parce qu'en fait, c'était, vous savez, c'était dans une boîte. Et j'ai demandé au gars, il m'a dit, bah ouais, et j'aurais dû lui demander la boîte, mais il y avait encore des boules dedans. La boîte, elle était exactement comme ça. Et là, je me suis dit, mince, c'est super, quoi. Donc voilà, ça, c'est cadeau. Et le clou du spectacle, number one de number one, que je vous dise que, en fait, Action a énormément augmenté. J'ai hésité. Alors j'ai dit, si j'en ai pour plus de 30 euros, je ne le prends pas.
Alors il me dit, ben avec le tapis, ça vous fait 30. Ah oh ben j'ai dit, je le prends alors. Ça fait 29,90 en fait. Voilà, regardez. Il est magnifique. On va le découvrir ensemble. Alors il fait 60 par 90, franchement, 6,40. C'est sûr que dans les magasins, c'est peut-être plus cher. Mais pour Action, ça ne me dérange pas. Parce que j'aime bien. Oh là là. Oh là là. Je me suis dit, mais celui-là, il est fait pour moi. Non, mais regardez. Mais regardez ça. Ah là là. Ah, mais si c'est ça, je le ramène. Hein. Regardez. Il perd ses poils. Et moi, c'est pas bon du tout pour Ivy, ça. Il perd ses poils. Ouais, ben, je crois que. Parce que c'est 6,40 quand même. Hein. Oh non. Non, bah ben, écoutez, je vous le conseille pas. Là, je ne vous le conseille pas, je vais le ramener. Je ne vous le conseille pas du tout parce qu'il y a plein de poils partout. Non, excusez-moi, hein, mais non, ben, j'étais trop contente. Mais sincèrement, je vais le ramener. Je le ramène. Dommage parce qu'il est beau, mais la qualité, elle est loin d'être partout. Et moi, il est hors de question que. Mais non, mais regardez, dès que je fais ça. Mais il est où mon bras? Il est là. Regardez. Non, je ne vous mens pas. Hein. Regardez. N'achetez pas. Hein. N'achetez surtout pas. Regardez, je vous montre. Voilà, mon bois est là. Voilà. Moi, je n'achète pas. Bon, ben, je vais le ramener. Je le ramènerai demain. Voilà, ben, c'est quand même 6,40. Hein. Ben voilà, j'ai fait mes achats et maintenant, on va ouvrir. Yo! On va ouvrir le calendrier de l'Avent. Alors, je l'ouvre aussi. Alors, le numéro 2. What? Où il est le numéro 2 de chez Lancôme? Alors, 4, 6, 8, 9, 3, 8, 10. Là, je vais m'amuser, hein, je vous le dis. Hein. Ah, mais mince. 18, 15. Celui-là. 19, 15. C'est peut-être celui-là. 2. Oh, hey, franchement, vous l'avez vu? Je dis, c'est peut-être celui-là, c'était même pas marqué. Voilà. C'est un gros contenant. Hein. Waouh. Waouh. Alors, qu'est-ce que c'est? Hydrazène. Gel crème hydratante anti-stress. Eh bien, mon mia, comment ça sent bon. Hein? Ça sent trop bon. Voilà. Et puis, le Barbie, chocolat. Il est là. C'est un petit carré. Je vais pas le manger maintenant. Et c'est quoi? Un téléphone? Un pot? Un écureuil? Un petit écureuil, c'est trop mignon. Bon, je le mets là parce que je vais pas le manger tout de suite. Hein. Voilà, je le mangerai ça. Voilà mes choubidous. Bah, j'espère que mon haul vous a plu. Et malheureusement, mon truc que j'adorais par-dessus tout, bah, je vais le rendre. Il rend plein de poils. Et ça, c'est hors de question que Ivy, elle va faire ça. Elle va avoir plein de poils partout. Et puis, c'est sale, quoi. Moi, j'aime pas. Donc, je vais le ramener. Donc, ticket dedans. Voilà. Voilà, mes choubidous. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Likez, partagez, commentez. On est de plus en plus nombreux. Et c'est waouh, je m'attendais pas à tout ça, mais on est vraiment de plus en plus nombreux et ça, c'est vraiment super. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye et abonnez-vous ceux qui ne sont pas abonnés. Ciao!